Moi, ça, les amis, mais c'est un plaisir pour nous rencontrer aujourd'hui, qui c'est mardi 22 février, pour nous étudier la parole de Dieu à travers la leçon de l'école du sabbat. Et c'est toujours le même vocal là, c'est votre serviteur de toujours, votre frère Anderson Ducasse. Ensemble, aujourd'hui, nous allons continuer à étudier la parole de Dieu. Mais bien avant même que nous rentrions dans la portion de tout ce que nous devons aujourd'hui, qui porte le thème le sacrifice parfait de Jésus. On nous prie, bon Dieu. Papa, nous qui dans le ciel là, c'est pour nous bénir, c'est pour nous louer, c'est pour nous exalter dès maintenant et pour toute l'éternité. Moment ça réservé pour nous étudier parole. Nous demandons au Père que tu es capable de pardonner nos péchés nous et accorder nous la puissance de ton esprit pour nous comprendre parole ça et mettre en application dans la vie. Tu as décrit nous pas de mérite, mais nous, Jésus, nous prions. Amen. Moi, je voulais remercier aux amis pour l'effort que vous faites chaque jour. Pour capable étudier le son de l'école du sabbat. Et pas oublier chaque fois où même vous finissez d'étudier, moi toujours prendre plaisir à encourager pour partager le son ça avec l'autre monde et pour faciliter plus monde arriver étudier eh bien le son école sabbat. Et soit quoi abonner tout, moi encourage vous faire ça et encourage l'autre monde faire même gens ensemble avec vous. Mais ce maintenant nous dans 9e leçon. Jésus le sacrifice parfait, Jésus le sacrifice parfait. C'est thème ça ensemble nous a développé, Céline a étudié tout au cours de semaine. Verset à mémoriser, Hébreux chapitre 10, verset 14. Car par une seule offrande, il a amené à la perfection pour toujours ceux qui sont sanctifiés. Car par une seule offrande, il a amené à la perfection pour toujours ceux qui sont sanctifiés. C'est verset ça. Moi, je vais avec vous pendant toute semaine, nous gagnons pour que nous soyons capables de mémoriser. Jeudi, nous allons louer ensemble partie leçon qui titrait Le sacrifice parfait de Jésus. Le sacrifice parfait de Jésus. C'est thème leçon pour journée jeudi, qui c'est mardi 22 février. Nous allons lire ensemble Hébreux chapitre 7, verset 27 et Hébreux chapitre 10, verset 10. Nous allons regarder dans le passage sérieux. Eh bien, de quelle façon il décrit sacrifice Jésus? On va regarder ensemble. Hébreux 7, verset 27. Qui n'a pas besoin, comme le souverain sacrificateur, d'offrir en charge des sacrifices, d'abord pour ses propres péchés, ensuite pour ceux du peuple, car ceci, il a fait une fois pour toutes en souffrant lui-même. L'autre texte, c'est Hébreux, chapitre 10, verset 10. C'est en vertu de cette volonté que nous sommes sanctifiés par l'offrande du corps de Jésus-Christ une fois pour toutes. Mais la question te dit, dans quelle façon, eh bien, par ça, ça a décrit sacrifice Jésus. Eh bien, nous sommes prêts dans Lévitique. Nous dans Lévitique, nous sommes prêts et quitter un assez grand nombre, nous en pile, pour qu'ils soient parce que gen ki a mouri, faut que te gen moun ki pou remplacer parce que par rapport avec la mort, yo pa capable rete vraiment en fonction parce que prêtre la gen d'ap servi jodi a et puis par la suite, li vin mouri. Et ben nous prêtre sa yo te essayé comparer ensemble avec Jésus, et ben li même ki gen sa rele la vie éternelle nan li et ki gen yon prêtrise éternelle. Prêtre Lévitique yo te kon ofri chaque jour et chaque année des offrandes et des sacrifices qui pas capable mener vraiment l'homme à la perfection. Sacrifice en fait chaque jour, chaque année de toujours un sacrifice. Mais malheureusement, sacrifice ça pas capable mener l'homme vraiment à la perfection. Cependant, sacrifice que Jésus et ben lui-même il était fait avec propre corps là une fois pour toutes, il était bâillé pour nous, il purifier conscience nous et il éliminer, il effacer péché nous. Sacrifice Jésus a été supérieur par rapport avec sacrifice animaux parce que Jésus c'est petit bon Dieu qui accomplit parfaitement volonté bon Dieu. Mais description sacrifice Jésus a comme eh bien un bagage qui était fait une fois pour toutes. Eh bien il y a là dedans plusieurs eh bien bagages importants. Nous va souligner pour vous là. Il y a nous aller ensemble trois bagages importants qui gagnent dans sacrifice ça. Que Jésus a fait pour nous, sacrifice qu'il a fait une fois pour toutes. Premièrement, sacrifice Jésus a été parfaitement efficace et le pape jamais surpassé. Non seulement il est efficace,
mais pas jamais gagne l'autre sacrifice et ben qui plus bon passer. Et ben sacrifice prêtre yo et ben prêtre lévitique yo et ben yo t'ai répété parce que yo pas efficace, yo fait chaque jour, yo fait chaque année, yo toujours fait. C'est parce que yo pas efficace. Si yo t'es efficace, yo pas la besoin de faire encore, yo t'a suspend faire. Et ça fait chaque fois yo fait culte ça yo et ben pour yo rendre des sacrifices avec Dieu. Et ben ouais, il pas jamais capable et ben nettoyer conscience yo. Il pas jamais capable éliminer vraiment péché que yo gagne dans la vie yo. C'est-à-dire nous ouais, sacrifice Jésus a et bien c'est un sacrifice qui vraiment efficace. Premier bagage nous ta capable dire il porter pour nous, et bien sacrifice Jésus a il porter la purification. Deuxièmement, différents types de sacrifices dans l'Ancien Testament, yo tout te devient accomplissement yo dans la croix. OK, il devient accomplissement dans la croix. Comme ça, non seulement Jésus lui-même nous purifie nos péchés, mais Jésus assure également ça relève la sanctification pendant que Jésus a débarrassé nous et bien de tout péché nous gagne en vie nous. Nous est prêtre yo dans l'ancienne alliance avant que même était approché de bon Dieu dans sanctuaire pour être fait sacrifice et bien pour l'autre monde pour peuple là et bien yo même était de purifier d'abord de sanctifier et bien en un mot était de consacrer. OK, sacrifice Jésus a les purifier nous et les consacrer de sorte que nous capable approcher de bon Dieu avec assurance, avec confiance et pour que nous capable servir comme étant un sacerdoce royal. Et en fin de compte, sacrifice Jésus a lui assuré également nourriture pour vie spirituelle. Li ba nou yon exemple que nous devons observer et suivre. Et bien comme ça, et bien livre ça qui c'est Épître aux Hébreux, il invite nous à fixer les yeux nous sur Jésus et notamment sur les événements de la croix et marcher à sa suite. En un point, sacrifice Jésus a gagné trois bagages importants. Les purifier nos péchés, bien maintenant marcher dans la sanctification et Jésus ba nous la nourriture spirituelle pour que nous capables de grandir. Et bien, nous et trois bagages ça yo, la croix c'est fondement de tout bienfait que bon Dieu lui a accordé nous. Il a assuré purification péché nous j'aime dire. Il ba nous la sanctification pour que nous capables servir et ba nous nourriture nécessaire pour que nous capables grandir. Comment nous capables de faire expérience davantage de ça que nous-mêmes nous recevons dans Jésus? Comment nous capables de faire et bien expérience, plus expérience par rapport avec ça que nous-mêmes ensemble avec vous nous recevons dans Jésus? Et bien, c'était partie des choses que nous avons ensemble jeudi à le sacrifice parfait de Jésus. Nous un sacrifice Jésus à l'hypothèse de trois batailles pour nous. Pas oublier ça, la purification de nos péchés et la sanctification pour servir et la nourriture nécessaire pour que nous capables grandir. Avant même que nous allions, à nous prier bon Dieu. Merci bon papa pour parole. Aidez-nous chaque jour pour nous mettre en application et là va venir nous va traiter nous comme de bons et de fidèles serviteurs. Aidez-nous pour que nous capables croire dans sacrifice ça pour que nous capables jeune pardon pour péché nous pour que nous capables marcher dans la sanctification et pour que nous capables nourriture spirituelle pour nous continuer grandir. T'as décrit, non? Sauvez-nous, qu'il a soit attention au nom de Jésus.